La notion d'arme secrète s'impose de plus en plus aux alliés. Malgré les divergences dans les états-majors sur l'existence de telles armes, le tout est là. Et le bunker d'Everleck est placé sous haute surveillance aérienne. Les alliés ne pouvaient imaginer que ce vaste chantier deviendrait une usine d'assemblage. Conçu par l'armée de l'air allemande, le V1 est une bombe volante qui ressemble à un petit avion sans pilote. Son décollage est horizontal. Il est copié sur le principe d'un porte-avions. Une rampe de lancement de 45 mètres de long, inclinée à 10%, est installée dans la nature, en direction de l'objectif RAD. Au deux pieds de la rampe, accroché à un frisson, le V1 est capacité grâce à la réaction chimique. De 6 tonnes et le béton armé à haute résistance. Derrière vous, un cratère de 30 mètres de diamètre laissé par une bombe Talboy. Rebouché au 3/5, il reste impressionnant. Bien qu'on n'a pas...